Pour commencer, on sera sur une mousse de céleri à la vanille. Et pour l'accompagner dans l'assiette, on sera sur un pain focaccia fait maison, condiments d'échalotes et fleurs d'ail des ours. Bonne dégustation. Alors messieurs, dames, vous allez retrouver juste ici la mise en bouche. On sera sur un bouillon de cosse gélifié à la spiruline, petit pois, tartare de bœuf accompagné de sauce soja, huile de sésame et sésame à la prune du méboshi. Bonne dégustation à vous. Non, pour l'instant, j'ai pas encore assez étoffé mes fournisseurs, j'avoue. Je suis sur du produit de région, mais c'est pas moi qui vais les chercher encore. On va chez Billot tout à l'heure. Pour prendre de l'asperge pour. Et bah, c'est justement. Donc, c'est monsieur Billot, je cherchais le nom l'autre fois. Il faut que j'aille le rencontrer, ce monsieur. Je suis derrière. Juste rosé. À peine. Terminé avec une huile végétale et quelques petites fleurs. Mesdames, on sera sur l'œuf parfait. Donc c'est un œuf qui va avoir un blanc tout juste coagulé ainsi qu'un jaune crémeux à souhait. Pour l'accompagner, vous allez avoir crème de chou-fleur, champignons en texture, le tout fumé au bois d'amandier. Et pour monsieur, on va retrouver le maquereau grillé à la flamme, duo d'asperges blanches et vertes en texture, ainsi qu'un condiment de ricotta. Je vous souhaite une agréable dégustation, messieurs. Merci. Prends la grande assiette. Je touche, toi. Ouais, mais tu l'aurais vu dans l'autre sens. Très vite.
quoi, ça? Des petites gouttes d'oseille verte. Ah, c'est à chaque fois, je comprends que j'appelle pas. Ouais, c'est des trompeurs, hein, des fois. Ça ressemble un peu au poiré aussi. On va mettre des petites fleurs d'ail des ours aussi. Non, là on est sur une huile de cosse de petits pois. Je récupère toutes les cosses, j'en fais une huile. Comme ça on garde tout. Tu travailles au bord? J'ai fait un an et demi à peu près là-bas, en tout début de carrière. Parce que ça me dit quelque chose, c'est du Rémi ça. Exactement. Ah. On aura plus de voir en cuisine aussi d'abord. Hein, parce que... Bah sérieux, c'est pas. Je vais vous avoir. J'y allais souvent. Incursion. Et voilà. Et vous allez retrouver juste ici le bar, accompagné également des petits pois et des brocolis en texture, de l'émulsion de cosse et des jeunes pousses. Alors vous allez retrouver juste ici les vives, donc on sera pour l'accompagnement sur un petit pois et un brocoli en texture, émulsion de cosse et jeunes pousses. Vous allez retrouver juste ici la déclinaison des fromages de la ferme de Fay à Chitney. Premièrement, pour commencer, un vaporeux de fromage de chèvre frais, c'est le surchère, copeaux de chèvre sec et salade de jeunes pousses. C'est de la rhubarbe rose ou c'est qu'elle a poché dans... C'est de la rhubarbe qui a été pochée dans un sirop avec un peu de grenadine. D'accord. Parce que comme il y a une rhubarbe qui est un peu plus rose que l'autre... Bah, des fois, il y en a qui sont peut-être un peu plus durs que d'autres. Il y en a une qui est un peu rosée de... ouais. En variété. Il y a un tout petit peu de grain de vanille, mais c'est juste pour... donner un tout petit peu de saveur au sirop. Là, on a un crumble qui est tout simple, classique. Le chocolat blanc. Avec celles qui sont un peu cuites. Ouais, c'est de la tagette. Partie de la famille des œillets, j'ai appris ça. Il n'y a pas si longtemps. On va terminer avec une quenelle de glace au citron et cardamome verte. Pour donner un peu d'acidité au dessert qui est relativement doux déjà. C'est en glace ou... C'est une glace, oui, ça sera. Donc ici du chocolat avec son émulsion au café. Et voilà. Alors mesdames, vous retrouverez la rhubarbe pochée au sirop de grenadine, accompagnée d'une crème de chocolat blanc et cardamome et d'une glace citron et cardamome verte. Et puis pour vous monsieur, vous retrouverez le biscuit chocolaté accompagné d'une crème chocolat et une glace chocolat, d'une meringue croustillante et d'une émulsion au café. Bonne dégustation. Merci. Attends.